Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Commerce, Madame la ministre du Tourisme, Monsieur le directeur général, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration du CFI, chers collaborateurs, distingués membres de l'assistance. Après 6 mois à la tête du Centre de facilitation des investissements, l'heure est au bilan. L'élaboration de 55 notes de presse pour régulièrement informer la population sur le travail qui est en train d'être accompli. 30 dossiers ont pu être téléchargés à partir de notre site Internet qui est toujours en construction. Nous avons collaboré avec la presse pour diffuser un spot publicitaire sur le CFI. Le bulletin d'information du CFI est désormais à sa 4e parution et le programme radio-télédiffusé En nous parler investissement a été lancé dans le but d'informer le public des efforts en cours. Pour ce qui a trait au renforcement des capacités, le centre a un bureau qui reçoit plus d'une vingtaine de visiteurs par jour. Nous avons pu organiser 2 réunions du conseil d'administration, recruter 5 cadres additionnels en raison de leurs compétences et capacités, et acheter les équipements nécessaires pour le bon fonctionnement du bureau. En outre, 2 séances de formation portant sur le service à la clientèle et le protocole ont pu être réalisées pour le personnel. En coordination avec le ministère des Affaires étrangères, nous étions en cours d'organiser une formation sur la diplomatie d'affaires. Pour finir, le CFI a pu élaborer un plan stratégique pour la période 2012-2016. Des messages clairs ont pu être envoyés aux partenaires internationaux d'Haïti. Ainsi, la BID, la USAID, la Banque mondiale, l'OEA sont tous prêts à collaborer et à appuyer la mise en place et l'exécution de ce plan d'action, avec la participation et contribution du secteur des affaires et finalement approuvé par le conseil d'administration du CFI et le Premier ministre. Voilà, mesdames et messieurs, une certaine idée de ce qu'a produit le CFI durant ces derniers mois. Je souhaite beaucoup de courage et du succès à mon successeur, Maître Georges Andy-René. Merci. Monsieur le directeur général sortant, Madame la ministre du Tourisme, Monsieur le directeur général entrant, distingués invités, Monsieur le président, co-président de PIAB, distingués invités, distingués membres de la presse, Mesdames, Messieurs, là, nous sommes à saluer le départ de quelqu'un qui a déjà commencé à mettre un certain dynamisme dans une institution dont le pays attend beaucoup. L'investissement, parce que c'est de ça qu'il s'agit, est, si vous voulez, le moteur qui va permettre de créer les emplois dont le président a parlé pendant la campagne et dont le Premier ministre, en tout cas avec l'ensemble du gouvernement, s'est fait, donc, si vous voulez, le héros, pour voir comment vraiment changer de perspective à ce pays et permettre que des emplois décents et durables puissent être créés dans cette économie. Nous savons que c'est un travail qui demande, si vous voulez, l'implication et l'engagement de chacun. C'est pas quelque chose qui est facile, on l'a bien compris. Et sur les 30 dernières années, les orientations qui ont été données à l'économie ou bien aux politiques publiques dans le pays ne s'intéressaient pas beaucoup à l'économie, donc à la croissance économique. Si vous regardez les orientations de budget, les engagements qui sont faits d'un point de vue institutionnel, les réformes qu'il y avait à mettre en place, l'économie était considérée en parent pauvre. Aujourd'hui, on a besoin de changer ça, et ça demande vraiment des changements dans l'organisation de l'État, dans l'organisation de l'administration, avec un nouveau leadership, et avec, si vous voulez, des moyens, des ressources orientées de manière plus intelligente pour faire que l'emploi puisse être créé partout. Nous avons compris que nous avons besoin de beaucoup d'investissements étrangers parce que on a besoin de locomotives dans cette économie pour tirer tout ce qu'il y a de secteurs de PME, PMI dans le pays. Mais nous avons surtout aussi besoin de travailler avec les entreprises nationales parce que les niches d'emploi sont justement dans ce que font les gens. Et ce que font les gens, c'est des activités de tous les jours qui sont à travers tout le territoire. Nous avons besoin de travailler donc sur les deux piliers à la fois en incitant l'investissement étranger, mais également en accompagnant les acteurs locaux. Et c'est pour ça qu'il y a tout un tas de mesures au niveau du ministère, mais de certains ministères, mais en particulier du ministère, pour voir comment donner un nouveau souffle à ce secteur productif national qui a vraiment beaucoup pâti. Des mauvaises décisions que nous avons prises quand même à un certain moment de la durée en rapport à l'économie. Donc je souhaite bienvenue à Andy et si vous me permettez, je vais profiter pour lire l'ampliation, en tout cas l'arrêté présidentiel qui a été publié, je crois, le 9 août, qui dit la chose suivante. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti, arrêté, Michel-Joseph Martelly, président.
Vu les articles 136 et 142 de la Constitution, vu le décret du 13 mars 1987 créant le ministère du Commerce et de l'Industrie, vu la loi du 9 octobre 2002 portant sur le Code des investissements, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu le décret du 16 novembre 2005 portant création d'un organisme autonome d'État qui porte le nom du Centre de facilitation des investissements, CFI, considérant qu'il y a lieu de nommer le nouveau directeur général du Centre de facilitation des investissements, sur le rapport du ministre du Commerce et de l'Industrie et après délibération au Conseil des ministres, le citoyen Georges Andy René est nommé directeur général du Centre de facilitation des investissements. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du ministre du Commerce et de l'Industrie, donné au Palais national. J'ai fait une erreur tout à l'heure, c'est le 24 juillet 2012, en 2008, de l'indépendance, signé le président de la République, le Premier ministre et le ministre du Commerce. Monsieur Georges-Andy René, je vous prie donc de venir recevoir votre ampliation avec les félicitations du gouvernement. Merci. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Madame la ministre, Monsieur le directeur général sortant, chers collègues, Mesdames et Messieurs, mes remerciements à Monsieur le Président, Son Excellence Michel-Joseph Martelly, pour cette opportunité qui m'est offerte de contribuer à l'avancement de mon pays et à la concrétisation de l'axe prioritaire de son mandat, la création d'emplois. C'est à travers une politique d'attraction des investissements privés que le Premier ministre, Son Excellence Laurent Salvador Lamotte, a choisi d'engager son programme de gouvernement par devant le Parlement. Je réitère à mon ministre de tutelle, M. Wilson Lalo, qu'il aura un collaborateur déterminé à assurer la politique de la promotion et de la facilitation de l'investissement privé en Haïti. Je voudrais aussi saluer le départ de M. Carl Jean-Louis, qui a su insuffler un dynamisme inscrit dans le renouveau au CFI. Merci à mon ami Carl de m'avoir légué une institution qui a pu, sous son leadership, retrouver son élan, cassé par le tremblement de terre du 12 janvier 2012. Je te souhaite autant de succès dans tes nouvelles entreprises. L'une des priorités du CFI sous ma direction sera d'arriver à une harmonisation maximale des rapports avec les organisations motrices du développement économique à travers tout le pays. Que ce soit les chambres de commerce ou les associations du secteur de la production nationale et du tourisme, je saurai être à leur écoute. Le secteur public et le secteur privé se doivent non seulement d'être des partenaires, mais aussi des complices pour que les structures permettant de canaliser les investissements directs nationaux de notre diaspora et enfin des investissements directs étrangers vers les pôles de développement identifiés de manière consensuelle. Ayant aussi le mandat d'assurer le secrétariat technique de la Commission interministérielle des investissements, je me devrai, avec les membres, de trouver les moyens d'établir des mécanismes pour accélérer le processus. Les réunions hebdomadaires devront se tenir régulièrement, telles que prévues par l'article 47 de la loi portant sur le Code des investissements. De même, je m'engage à assurer la tenue des réunions tous les 30 jours de la Commission nationale des zones franches, dont le CFI assure aussi le secrétariat technique, tel que prévu par l'article 16 de la loi portant sur les zones franches. Je remercie enfin le Président de la République ainsi que le Premier ministre de leur confiance et de leur support me permettant d'asseoir les rôles de facilitateur, réformateur et promoteur de l'investissement privé en Haïti. J'anticipe avec enthousiasme cette opportunité qui m'est offerte de mettre à profit mes compétences professionnelles, tant en ma qualité de secrétaire exécutif du Conseil présidentiel pour le développement économique et l'investissement, que celle de directeur général du CFI. Je vous remercie. Au nom du président de la République, Son Excellence Michel-Joseph Martelly, j'ai le plaisir de procéder ce matin à l'installation de notre nouveau directeur général du CFI, M. Georges Andy René.
Cette nomination rentre dans le cadre de la lutte contre la pauvreté extrême et de la création d'emplois pour sortir ce pays classé parmi les derniers au monde à gravir l'échelon du doing business à travers le monde. En effet, Haïti fait partie des derniers pays dans le cadre de faire des affaires, d'ouvrir une entreprise. Nous voulons améliorer ça et nous voulons faire mieux que ça. Mon gouvernement s'est engagé à faire de l'investissement privé un moteur pour la création d'emplois dignes et durables. Un des principaux moteurs de la relance économique sera une bonne gestion et commencera à partir du CFI. Le CFI, de par sa structure mixte réunissant les secteurs publics et privés, est un outil qui permettra de nourrir une vision partagée du développement durable. Monsieur le directeur général, je tiens à vous rappeler qu'à ce rôle de plateforme de dialogue public-privé s'ajoute ceux d'informer, d'accompagner et d'aplanir tout obstacle à l'investissement, qu'il soit national ou international. Votre mission ne sera pas des moindres. Il vous reviendra notamment d'étudier et de proposer toutes mesures propres à renforcer la compétitivité de notre économie et à reconquérir les marchés intérieurs et extérieurs pour nos produits nationaux. Très vite, il vous faudra de conseils avec les associations et la société civile et les autres organismes de l'État d'identifier les réformes prioritaires à parachever dans l'optique d'améliorer le classement de notre pays dans les exercices de notation internationale tels que l'index Doing Business. Aujourd'hui, on est classé combien? 184 sur combien? Attends. 180e sur 183. Donc, voilà ta mission, c'est d'améliorer, de sortir de 180 à sortir parmi les premiers 50. Et tu as 6 mois pour le faire. Rien n'est impossible, parce que l'impossible n'existe pas dans mon vocabulaire. Continue des réformes à venir. En conclusion, je vous rappelle que M. Carl Jean-Louis, qui laisse le CFI, vient rejoindre mon cabinet à la primature. Donc le travail commencé sera continu, suivi et aussi reconnu. Donc je félicite et je tiens à remercier Carl pour le travail assidu, pour toutes les heures de travail et pour le service rendu à la nation. Au niveau directeur, je vous souhaite bonne besogne et bien entendu, je vous demande d'atterrir. Sur ce, je remercie M. Carl Jean-Louis. Je te souhaite bienvenue au cabinet de la primature. Je souhaite bonne besogne et bienvenue à Georges Ndiwene et prépare-toi à travailler de longues heures et à donner des résultats concrets. Donc, tu as fait un très beau discours, qui est très bien. Et maintenant, on attend l'atterrissage. Merci. Tout à l'heure.